Mais madame, ne croyez donc pas que cet aigle en rien vous distingue. Un aigle au fond, un aigle, nous en avons tous.
Thank you.
au début, il y avait une voleuse, insouciante et légère. Elle a dérobé le feu, l'étincelle de la création qui appartenait au Dieu. C'était un cadeau pour tous ceux qui habitaient encore dans le noir. Et puis, il y avait cette boîte. Une boîte d'allumettes de pain d'or qui excitait bien les hommes. Et c'est à ce moment que j'ai entendu de loin les premiers cris de mon aigle.
Le lendemain, dès l'aube, Prométhée souhaita son aigle. Il l'appela au fond des rougeurs de l'aurore, et comme le soleil paraissait, l'aigle vint. Il avait 3 plumes de plus, et Prométhée sanglotait de tendresse. Comme tu viens tard, dit-il, en caressant des plumes. C'est que je ne vole pas encore vite. Je rase terre. Que te faut-il pour voler vite? Tiens, mange. Parle-moi du dehors. Que deviennent les autres?
entends-tu ce matin? J'ai promené ma faim dans l'espace. Elle, tu ne seras jamais moins cruelle? Non, mais je peux devenir très beau. Prométhée, s'éprenant de la beauté future de son aigle, lui donnait chaque jour davantage à manger. Messieurs, je me suis occupée des hommes beaucoup plus que je ne le disais. Messieurs, j'ai beaucoup fait pour les hommes. J'ai passionnément, éperdument, déplorablement aimé les hommes. J'ai tellement fait pour eux qu'autant dire que je les ai faits eux-mêmes. Car auparavant, qu'étaient-ils? Ils étaient, mais ils n'avaient pas conscience d'être. Comme un feu, pour les éclairer, cette conscience, monsieur. De tout mon amour pour eux, je la fis. Ce que je sais, c'est que non satisfaite de leur donner la conscience de leur être, je voulus aussi leur donner raison d'être. Je leur donnai le feu, la flamme et tous les arts dont la flamme est l'aliment. Et chauffant leurs esprits, en eux je fis éclore la dévorante croyance au progrès. Et je me réjouissais étrangement que la santé de l'homme s'usa à le produire.
non plus croyance au bien, mais malade espérance du mieux. La croyance au progrès, messieurs, c'était leur aigle. Et notre aigle est notre raison d'être, messieurs. Je n'aimais plus les hommes. C'est ce qui vivait d'eux que j'aimais. C'en était fait pour moi d'une humanité sans histoire. L'histoire de l'homme, c'est l'histoire des aigles, monsieur. Le printemps vint. Autour des barreaux de la tour, d'embaumées glycines fleurirent. Un jour, nous partirons, dit l'aigle. Vrai? S'écria Prométhée. Car je suis devenu très fort. Toi, maigre, et je puis t'emporter. Aigle.
et l'aigle